aviez tous vous faire vacciner parce que le jour que vous aurez le Covid, vous pleurez. Parce que ce n'est pas rien. J'ai tellement toussé des remèdes pendant un mois qu'il paraît que j'ai maigri 12 kilos. Mon Dieu. Avant la vaccination, on s'est référé à la checklist de nos résidents. Le service Ergo est allé de chambre en chambre pour parler du vaccin à nos résidents et pour qu'on puisse avoir leur accord verbal. Nous avons, via la checklist, vérifié que nous avions tout le matériel nécessaire à la préparation du chariot pour les vaccins. Nous avions également vérifié l'état du frigo, qu'il était propre, qu'il n'y avait pas d'aliments dedans, qu'il n'y avait rien dans la porte, qu'il n'y avait pas de givre. Et on a également vérifié qu'il y avait bien une sonde pour regarder la température stable du frigo. Dès le matin, nous avons fait l'anamnèse de chaque résident qui devait se faire vacciner. On est passé de chambre en chambre avec le médecin coordinateur et nous avons également pris leur température, leur saturation. Dans ce cas-ci, le mandataire de la réception du vaccin, c'était notre directeur. Donc il a réceptionné le matériel. Après avoir comptabilisé les fioles, nous avons mis directement le vaccin dans le frigo. Ensuite, nous avions vérifié le matériel qui était accordé au vaccin, c'est-à-dire le nombre de seringues, d'aiguilles et le sérum physiologique. Via la checklist, nous avons vérifié le chariot. Entre autres, on a regardé si on avait bien les poubelles, la trousse de secours qui devait être composée des deux ampoules d'adrénaline, du solimédrol, de la plaquette d'antihistaminique, ainsi que de deux seringues et de deux aiguilles puiseuses et de deux aiguilles pour l'intramusculaire, ainsi que le tensiomètre. Donc il y a aussi le gel hydroalcoolique, l'alcool et les compresses. Avant la reconstitution des vaccins, nous avons sorti les flapules afin qu'elles puissent arriver à température ambiante. C'est le médecin coordinateur qui a reconstitué les vaccins. Il a puisé le sérum physiologique qu'il a réinjecté dans les flapules. Ensuite, il a retourné 10 fois la flapule. Et à ce moment-là, on pouvait puiser le dosage nécessaire pour réaliser chaque vaccin. Pour la double vérification, je vérifiais que le médecin puisait le dosage de sérum physiologique nécessaire, qu'il retournait bien le flacon 10 fois et ensuite qu'il reprélevait les 0,3 ml par seringue afin d'injecter le vaccin à nos résidents. Bien, nous sommes passés dans notre cas de chambre en chambre. Nous avions une équipe qui passait au préalable pour dénuder l'épaule de chaque résident. Ensuite, j'arrivais en me lavant les mains au préalable au gel hydroalcoolique. J'allais lui faire l'injection. J'ai une équipe d'une aide-soignante et d'une infirmière qui passait de chambre en chambre durant un quart d'heure pour vérifier que nos résidents ne faisaient pas d'effets secondaires au vaccin. J'étais également accompagnée d'une administrative qui notait l'heure de l'injection et réalisait la petite carte de vaccination qu'on a remis à chaque résident après leur vaccin. Après les 15 minutes de délai officiel, nos résidents ont pu reprendre leur vie quotidienne, c'est-à-dire que celui qui désire descendre aux animations, descend aux animations et participe à la vie de la maison de repos. Le temps que nous fassions les vaccins de nos résidents, mes collègues étaient pris en charge par la médecine du travail pour leurs vaccins. Il est midi, 44 résidents viennent d'être vaccinés. Je ne cache pas qu'il y avait une certaine euphorie, même un certain plaisir et un soulagement, je pense, de leur part. Ils ont réalisé aujourd'hui l'importance de ce qui allait se passer. L'année de l'apparition de ce virus, en tout cas chez nous, de pouvoir se faire vacciner, je pense que c'est tout un symbole et que ce sera le début d'une grande campagne de vaccination, ce qui est nécessaire en tout cas pour les établissements pour aînés, pour pouvoir y remettre de la vie. Les directions de maisons de repos sont bien conscientes des difficultés rencontrées et des difficultés qu'elles vivent encore. Je crois que beaucoup ont vécu un enfer et ne veulent plus du tout le revivre et que c'est notre seule arme aujourd'hui contre ce virus. Donc je ne peux que les encourager à le faire et je pense qu'ils sont tous favorables à la vaccination. Et je leur souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir.